Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec l'oracle des miroirs, pour faire passer soit un message ou une situation précise. Les énergies ne seront pas interchangeables. Une femme reste une femme, donc il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies, quelqu'un de votre entourage, amical, familial ou professionnel, ou éventuellement la personne du cœur. Il est possible aussi que la guidance ne vous parle pas. Donc j'en appelle vraiment à votre discernement. Si des personnes souhaitent me contacter pour des consultations privées, tous les liens sont dans la présentation de la chaîne, ce soit Instagram ou le site internet. Première carte. Alors déjà, on insiste sur un retour, j'entends de feu, mais j'entends plus vitalité. Pour des femmes qui étaient, j'entends HS, à plat. À plat d'un point de vue physique. On me montre que vous avez transmuté pas mal d'énergie négative et que vous êtes en guérison actuellement et qu'il faut aussi vous ménager. Alors j'entends que le karma était lié à de la souffrance, mais aussi de l'injustice. Beaucoup d'injustices subies par la femme. Concernant un lien d'âme, vous voyez, une relation de cœur. Et j'ai le ressenti que, comment dire, les traumas que vous avez transmutés ou les injustices sont en lien avec l'entourage de l'homme avec qui vous étiez en relation ou en lien d'âme là. Alors, j'ai des femmes, j'entends, dans l'attente de pouvoir construire, mais j'ai du retard par rapport à cette construction. Du retard parce que j'ai ressenti que vous n'avez pas encore trouvé le candidat, même si vous étiez en relation avec le lien d'âme. Parce que j'entends aussi que ça ne s'est pas fait. Pour certaines femmes, là, il n'est pas encore le moment, parce que vous êtes encore en fatigue énergétique, là. Donc dans certains cas, j'ai le ressenti qu'on a peut-être fait une rencontre, mais qu'on n'est qu'au stade de l'amitié pour le moment. Mais j'entends que ça va changer. Alors il est possible qu'il y ait un voyage ou un déplacement, peut-être un rendez-vous prochainement, là, avec la personne avec qui vous êtes en relation amicale. Et j'entends aussi que ça peut fonctionner, mais il faut travailler sur vos peurs. Travailler sur les peurs et aussi sur un karma douloureux concernant le sentimental. Vous avez pu justement connaître des injustices dans cette incarnation, ou des douleurs affectives. Parce que j'ai l'impression que les traumas ou en tout cas les traces sont encore très présentes. Et il ne faudrait pas que ça vous affecte dans votre relation future, qui est déjà pour moi présente sous la forme d'une amitié. Première carte, la deuxième
Et la dernière. Alors, je vous parlais de la deuxième rencontre parce que j'ai le sentiment que certaines personnes vont laisser tomber le lien d'âme, hein, qui était à l'origine prévu pour vous là. Parce que j'ai le ressenti qu'il y a eu beaucoup de fatalité dans ce lien et surtout du côté de l'homme, hein, ou à cause de cet homme-là. J'entends rupture karmique, hein, donc rupture au niveau d'un contrat d'âme. Vous voyez, j'ai presque envie de dire comme un divorce. En tout cas, il y a quelque chose qui a été statué plus haut pour libérer les femmes. Parce que j'ai le ressenti qu'il n'y avait pas d'avancée ou d'évolution dans cette première relation. En même temps, on insiste sur le mot retour, donc il est possible que cette personne fasse une réapparition. Mais dans tous les cas, vous serez libre de faire votre choix. Alors là, il y a trop de cartes. Vous voyez, quand je vous parle de choix, ici j'ai encore l'été, hein, comme tournant décisif ici. En tout cas, j'ai le ressenti qu'il y aura du changement. Changement sur le plan affectif. Et que ce que vous avez connu jusqu'à présent ne sera plus. Hein. Alors il y a encore une période de latence là pour dégager les énergies et les traumas. Alors on me dit qu'on prend une dernière carte. Alors je ressens quand même la personne, la première personne, le premier homme là dans... J'allais vous dire dans la réflexion et j'entendais en même temps en canal dans l'instabilité. Mais quoi que vous choisissiez ici, il y aura la victoire à la clé. Hein. On ne me donne pas nécessairement de suite parce que ça va dépendre des cas. Pour certains, il y aura un retour de la première personne, là, du premier homme. Et dans d'autres cas, on se laissera la chance avec l'amitié. Là. En tout cas, on vous dit que c'est une possibilité. D'amitié, j'entends offerte. Et on me dit qu'on a terminé pour ce message. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, on se dit à bientôt.